Bonjour. Alors, quel est le positionnement d'Open sur la partie infrastructure service en Île-de-France? Donc, Open a vocation à se positionner donc en valeur ajoutée auprès de ses grands clients, que ce soit sur la partie conseil, ou que ce soit sur la partie ingénierie, ou que ce soit sur la partie exploitation, à la fois sur la partie production et également sur la partie user poste de travail. Donc, notre offre de service repose principalement sur 3-4 grands thèmes. Que sont bien évidemment le cloud, puisqu'on intervient sur la partie cloud en tant qu'intégrateur, que ce soit public, privé ou encore hybride avec des grands partenaires donc, sur le sujet, que ce soit HP, que ce soit Numergy, que ce soit OBS, que ce soit VMware. On intervient également sur toute la partie automatisation de la production, notamment autour des solutions de type orchestration, donc type HPO avec notre partenaire HP. Et nous intervenons également sur la partie intégration technique et exploitabilité, soit un positionnement en amont de la production, autour de solutions d'ordonnancement, notamment Dollarue ou Control-M, sur la partie supervision et encore sur la partie sauvegarde ou transfert de fichiers. Donc nous avons une répartition assez équilibrée en fait entre l'assistance technique qui a vocation à accompagner nos clients sur la partie expertise et ingénierie, et que ce soit également en prestations forfaitaires en exploitation. Donc nous avons une bonne répartition à peu près équilibrée 50-50, avec des prestations forfaitaires qui sont sur des tailles entre 10 et 50 personnes. Nous intervenons également en Île-de-France sur les grands acteurs du marché, quel que soit le secteur de marché. Donc les principaux secteurs de marché adressés, la banque, avec tous les grands clients donc bancaires d'Île-de-France, la partie énergie, avec pareil tous les grands clients de l'énergie donc en Île-de-France, la partie télécom, la partie industrie et bien évidemment également la partie secteur public. Donc quels sont les grands atouts d'Open par rapport à ses concurrents? Le premier point, c'est une organisation. Donc, au sein de l'Île-de-France en infrastructure, nous sommes organisés afin que le suivi des collaborateurs soit exemplaire. Il faut savoir que ce processus est inscrit donc, dans notre politique qualité, puisque nous sommes certifiés ISO 9001, et donc nous avons un processus de suivi des collaborateurs qui est suivi donc, chaque mois, puisque vous avez donc la possibilité d'avoir un entretien RH à minima une fois par an, et également un manager donc, qui vous voit régulièrement, donc au moins une fois par mois, avec un entretien obligatoire, une fois par semestre minimum formalisé. Deuxième atout d'Open, c'est la formation. À titre d'illustration, la formation, donc le budget formation pour l'infrastructure service Île-de-France, a augmenté de 30% entre 2014 et 2013. En 2013, ça a représenté déjà 5 jours de formation en moyenne et par an par collaborateur formé. Troisième atout d'Open qu'on peut effectivement mettre en avant, c'est que de par le fait d'adresser l'ensemble des secteurs du marché avec les grands clients, de par une présence commerciale qui est extrêmement importante, nous avons donc la possibilité d'offrir des missions à la fois enrichissantes et dans les différents secteurs de marché. Il faut savoir qu'à titre d'illustration, les forces commerciales côté infrastructure service en Île-de-France remontent chaque semaine une vingtaine de nouvelles missions à proposer à nos collaborateurs, ce qui représente plus de 80 nouvelles missions chaque mois à proposer à nos collaborateurs. Donc, ce sont les trois points vraiment différenciants d'Open par rapport aux autres concurrents du marché. Et donc, moi, j'ai qu'une seule question à vous poser, en fait. Qu'attendez-vous pour être Open? À très bientôt, j'espère.